Les modalités de gouvernance. Moi, il me semble que pour la première fois à cette conférence, on a posé la question du pouvoir. Elle a été posée par les Italiens en particulier, par la présence même des gens des partis pirates, par des exposés aussi sur l'Amérique latine qui, en ce qui me concerne, était un exposé très politique. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus et comment tu vois ça. Oui, je te rejoins sur le fait que ce rapport aux politiques monte en visibilité dans la conférence par rapport à 2010. On pouvait déjà en sentir des bribes, mais c'était un petit peu dissimulé dans des discours plus généraux, alors que là, ça a été posé très clairement. En tout cas, ça a été posé le premier soir, très clairement. C'était moins présent dans le reste de la conférence. Et je pense qu'il faut qu'on y revienne et qu'on le retravaille. Et la manière dont Rodotà a placé ça dès l'ouverture, à mon avis, est très, très importante. Parce qu'il a bien relié de façon complètement imbriquée la question de la citoyenneté et la question des communs, en montrant qu'ils étaient indissociables. Et ce faisant, il en a fait aussi une question constitutionnelle. Donc ça, je crois que c'est le point absolument névralgique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et alors c'est là où je pense qu'il y a des vrais sujets de tension qui auraient mérité d'être plus travaillés dans la conférence, entre des gens qui viennent plutôt de mouvements libertariens, et qui ont quand même une vision des communs, soit, je dirais, dans la négligence de l'État et de la puissance publique, soit contre l'État et la puissance publique, pour les plus purement libertariens d'entre eux. Alors que quelqu'un comme Rodotà, et visiblement tous les mouvements italiens qui ont gravité plus ou moins ces temps derniers en Italie autour des biens communs, ne nie pas ni le rôle du droit, ni le rôle de l'État. Au contraire, ils veulent en faire des alliés. Moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est qu'on entre dans une période où il y a un espace politique qui est en train de bouger, à la fois parce que la crise, parce que la fin de la confiance dans un certain nombre d'institutions bancaires, politiques, etc. etc. Ça, je dirais que c'est pas très nouveau. Ça explose depuis 2008, mais c'est un phénomène qu'on dénonçait ou qu'on décrivait depuis des années et des années. Ce qui est nouveau, c'est qu'on sort du dogme néolibéral par certains aspects. Et je vais prendre un exemple qui est très éloigné de ce dont on a discuté ces derniers temps, qui est la question de la fiscalité. On voit en ce moment bouger les lignes. Alors peut-être que je prends un petit peu mes désirs pour une réalité, mais quand même, on voit bouger les lignes parce qu'il y a plusieurs sujets qui ne sont plus tabous. Par exemple, tout ce qui est l'évasion fiscale, c'est un sujet y compris, je dirais même presque plus dans la presse américaine, où alors que c'était impensable d'évoquer ce genre de sujet, là il y a une espèce de révolte qui commence à monter dans les médias, etc., pour dire mais ça suffit, ces entreprises qui se gavent sur le dos finalement de l'intérêt général et qui diminuent l'État d'un de ses outils majeurs pour faire une politique et faire de la redistribution. Donc voilà, tout ce qu'il y a en ce moment, tous les articles qui sortent en ce moment autour d'Apple, etc., sont le signe qu'il y a une espèce de ras-le-bol sur ce qui était jusque-là un dogme néolibéral. Et dans la même foulée, tout ce qui se passe autour des paradis fiscaux, notamment avec le leak qui est sorti dans les médias il y a un mois à peu près. Alors ça, on le doit aussi à Wikileaks. Hein. Je pense que si les médias ont bougé, c'est aussi parce qu'il y a eu des précurseurs radicaux comme Wikileaks qui ont ouvert la porte d'un autre rapport à l'information. Mais de fait, voilà, il y a des tabous qui tombent. Les paradis fiscaux, ça fait 20 ans ou 30 ans que des mouvements, enfin je veux dire aussi bien du côté des alters, mais pas que des alters, des gens peut-être un petit peu moins radicaux ont dénoncé les paradis fiscaux, rien ne bougeait, c'était une espèce de caillou là, comme ça, planté au milieu du paysage économique et politique. Voilà, donc il faut que, du point de vue des commons, on se saisisse de ces lignes qui bougent, même subtilement, pour s'en saisir et reconstruire de l'alliance avec de la puissance publique. Moi, je ne pense qu'on ne fera pas avancer les communs sans
réinsuffler du pouvoir du côté de la puissance publique, mais pas le pouvoir historique. Si c'est pour refaire ce qu'on faisait avant, ça n'a pas d'intérêt. Donc là-dessus, je rejoins complètement sur ce que disait Rodota, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pas chercher à défaire l'État, il faut chercher à le réinventer autour d'une construction qui marie de la citoyenneté active, de la citoyenneté participative et les communs. Voilà, c'est ce binôme qui me paraît central par rapport à cette question du pouvoir que tu poses. Est-ce que tu penses que le mouvement, ou ce qui existe du mouvement des communs actuellement, est prêt à faire ça? C'est comment Alors, passer à ce stade justement de mobilisation et de lutte? là, on a besoin pour le mouvement des communs de faire un travail de cartographie des luttes politiques, c'est-à-dire les endroits où il faut porter le fer aujourd'hui, sortir d'un discours un peu généraliste pour identifier dans chaque pays, cartographier dans chaque pays à la fois les risques et les opportunités politiques qui se présentent devant nous. Donc, moi, je pourrais en lister quelques-unes en France, mais par exemple, toute la question de la neutralité du net, voilà, c'est un sujet qui est en train de sortir sous différentes formes dans différents pays. Il y a des pays qui veulent légiférer ou pas, ou certains qui sont en train de laisser faire une espèce d'épiotement de la neutralité du net, plus ou moins sous le manteau. Ben, voilà un sujet sur lequel on peut travailler concrètement, construire du discours collectif, construire de l'action. Il y a évidemment la question de toutes les enclosures autour des contenus culturels, il y a la question des fonds de bibliothèque, des archives, de la science, enfin bon, on ne va pas relister ici tous les sujets, mais sur tous ces sujets aujourd'hui, il y a une actualité forte. Voilà, on n'est pas sur des sujets ex nihilo, génériques. Il faut prendre les textes qui sont en train d'être votés ou d'être élaborés, ou il faut imaginer aussi des dispositifs d'initiative populaire. Rodota citait l'initiative populaire européenne qui est en train d'être prise sur la question de l'eau, donc qui quelque part cherche à faire changer d'échelle la question de l'eau en partant de l'expérience italienne. Alors le dispositif européen, il n'est quand même pas très, très facile hein, à manipuler et à investir, mais peu importe, il faut se saisir de tout ce qui existe déjà. Et de la même manière, hier dans la réunion sur le stream knowledge, autour de la connaissance, il y avait deux discours. D'un côté, Hugo qui disait, mais n'oublions pas, enfin, les deux n'étaient pas contradictoires, ils dialoguaient, ils se répondaient, et je pense qu'ils avaient raison tous les deux. Hugo qui disait, mais n'oublions pas qu'un système légal n'est pas figé une fois pour toutes dans le marbre, mais qui peut bouger, donc donnons-nous les moyens de le faire bouger, et n'intériorisons pas l'idée qu'il soit intangible. Hein. Ce qui veut dire que par moment, il faut être capable d'être aussi. Peut-être dans des approches gandhiennes, je ne sais pas, mais en tout cas sur des formes de résistance et de contestation, à partir du moment où une pratique sociale comme les pratiques de partage sont devenues des pratiques archi-majoritaires dans une société, actons cela et construisons une forme de résistance autour de ces pratiques sociales. Donc Hugo, d'une part, qui disait faisons bouger les lignes légales, remettons en cause le droit tel qu'il est aujourd'hui, et Philippe Aigrin qui disait oui, certes, mais en même temps, allons repérer les niches qui existent déjà dans l'appareil juridique dont ils disposent, que ce soit constitution, constitution européenne, nationale, etc., ou tel article de telle loi, il y a un travail très minutieux, très exigeant d'identification des petits bouts de dispositifs qui existent déjà sur lesquels on peut s'appuyer et tirer justement pour enfin dans un jeu itératif entre mouvement social et droit. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'une des prochaines étapes dont on a besoin, et ça, je ne sais pas comment on peut ça n'a pas été discuté ici, mais comment on peut le mettre en place concrètement, c'est cette cartographie et ensuite une mise en, je veux dire, une construction d'une boîte à outils qui nous permette à la fois d'identifier les dispositifs juridiques sur lesquels s'appuyer et en même temps les luttes sur lesquelles on veut mettre l'accent de manière à essayer de les coordonner le plus possible au niveau international. La ligne d'horizon par rapport à la question du modèle de développement est partagée. L'idée qu'on n'est plus dans une recherche de la croissance absolue, enfin que la croissance n'est plus le dogme qui tire nos économies, c'est quelque chose qui, à mon avis, est partagé par la plupart des commoners, et qu'ils soient latino-américains ou qu'ils soient québécois, enfin, ou qu'ils viennent des pays du Nord. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet sur lequel on peut à la fois se fédérer et travailler. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'approches économiques autour des communs qui, justement parce qu'elles se détachent de cette approche par la croissance, en même temps portent intrinsèquement un risque de moindre création d'emplois.
Ça, c'est quelque chose qu'on sent clairement. Comment on le travaille? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les quelques qui travaillent autour de ça arrivent tous sur la conclusion, mais il va falloir mettre en place un revenu de base, un revenu de citoyenneté, etc. Bon, c'est une idée qui n'est pas très nouvelle, hein. Ça fait, je ne sais plus combien, Van Parys, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il la pousse. Je pense que c'est une idée certes intéressante, mais elle ne suffit pas. On a besoin de penser cette transition essentielle qui dit moindre croissance ou qui dit une économie des communs qui ne met pas la croissance en son cœur, va avoir des effets sur l'emploi. Et ça, c'est dans l'agenda politique qu'on doit se donner, c'est à mon avis une des priorités, parce que si on ne l'anticipe pas, on va avoir les populations contre nous, forcément. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même la source de désespérance principale. Donc, si c'est pour leur proposer un modèle alternatif qui ne répond pas à cette question fondamentale qui est à la fois comment je gagne ma vie, mais aussi n'oublions pas que le travail est bien plus que le simple fait de gagner sa vie. C'est aussi la manière dont je me relie, c'est une des manières dont je me relie à la société aujourd'hui pour beaucoup de gens. À ce moment-là, on risque d'aller un peu dans le mur. D'où, je pense, de mettre cette question plus que du travail, c'est du travail et de l'emploi et de l'activité, comme aurait dit Jacques Robin, dans le champ de notre réflexion. Pour conclure, justement, si toi tu avais à proposer, comment continuer à partir d'ici? Tu as déjà un peu abordé la question. Ben, de façon très très pragmatique, opérationnelle, je pense qu'on a besoin d'avoir dans l'espace partagé en ligne de la conférence, qui pour l'instant je pense était un petit peu sous-utilisée pour différentes raisons, on aurait besoin de cartographier les endroits où il faut à la fois résister aux enclosures et à l'inverse porter des propositions pour développer, étendre, construire, produire du commun. Et cette cartographie, voilà, mais ici et maintenant, je ne parle pas de lutte générale, de ce qu'il faudrait faire sur l'eau, machin. Non, voilà, il y a un référendum d'initiative populaire là, il y a un mouvement qui s'organise pour la science ouverte à tel endroit, il y a, voilà. Et à partir de là, que. Cartographie des luttes, cartographie des Ouais, pratiques. enfin, le mot lutte, pour moi, il est un peu réducteur parce que, il a tendance à se penser en résistance. Alors que je pense que ce qu'on est en train de faire ici, à cette force d'être à la fois de l'ordre de la résistance, mais surtout de l'ordre de la construction. Et c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc, plutôt que les luttes, je dirais les points d'ancrage autour desquels on peut construire du commun, mais des points d'ancrage politiques, quoi, vraiment. Je voudrais revenir d'un mot sur la question de la cartographie que tu posais. C'est est-ce que ou quel risque il peut y avoir, ou est-ce qu'il y a un risque ou pas, ou comment tu vois cette question-là, du positionnement de la question des communs par rapport aux autres mouvements ou manières de poser des problématiques. Je pense que sur la question des monnaies, sur la question de la décroissance, sur la question du travail, il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui font des choses, qui travaillent de manière très active, et certains sont reliés au commun, d'autres ne sont pas reliés au commun. Et donc le fait de se proposer de faire cette cartographie-là replace les communs dans une posture particulière. Et donc comment est-ce que toi tu penses que ça, enfin, en gros historiquement, comment est-ce que ça peut évoluer? Ouais, je pense que ça, c'était probablement aussi un des points positifs de la conférence. C'est que l'acceptation qu'on a maintenant des communs, elle est, je veux dire, en mettant en avant le commoning plus que la ressource, l'action de faire en commun, en mettant l'accent plus sur les bouquets de droits liés au commun plutôt que sur les questions de propriété, etc. Même s'il ne faut pas négliger du tout cette question de la propriété, là aussi c'est un sujet à travailler, ou de la non-propriété. On ouvre des espaces qui peuvent être entendus par d'autres, et pour moi ce qui est important c'est de ne pas chercher à embrigader sous l'étendard des communs. Voilà. Il y a des tas de gens qui font des communs sans le savoir, c'est pas grave. À un moment ou à un autre, ce dont nous on est porteur sous le thème de commun, ça peut faire écho, ça va faire écho, ça va faire résonance. Et donc on peut se rapprocher de toute une série de mouvements
sans chercher à faire du prosélytisme, mais plutôt à, au contraire, voir comment on rassemble des intérêts similaires, que ce soit sur la question environnementale, sur la question des savoirs, sur la question des services publics. Voilà, je sais que c'est entre autres une des choses qui a été travaillée ici, hein, cette question de services publics et communs. Voilà, donc moi je pense que on a à la fois, il faut qu'on tienne les deux bouts, c'est-à-dire à la fois un discours le plus accessible possible sur les communs, de manière à ce que le concept diffuse et soit compréhensible par des tas de gens qui jusqu'ici ne savaient même pas que ce concept existait et étaient loin de se l'approprier, mais en même temps être capable, nous, d'entendre qu'à certains moments, on ne parlera plus de communs, mais on parlera d'économie solidaire, ou on parlera de refus de l'extractivisme, ou on parle, voilà, et peu importe si ça ne s'appelle pas commun. Mais ce qui est important, c'est de défendre ce couple entre une autre manière de faire de la citoyenneté et un autre rapport aux ressources qui ne soit pas celui ni de la propriété publique ni de la propriété privée. C'est ça qu'on défend, plus que le terme même de commun. Après, le terme, il montera tout seul, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, en partie. En partie? Non, mais je Non, sais. après, au-delà de ça, c'est la question de comment construire des alliances aussi Bah, les alliances, on revient sur l'agenda politique, c'est-à-dire que si on reprend l'exemple du référendum européen de l'eau, c'est un moment où on peut imaginer d'aller chercher des gens qui ne militent pas particulièrement sur l'eau, mais qui vont militer sur les services publics, qui vont militer sur la privatisation d'autres infrastructures, quelles qu'elles soient, et faire comprendre que l'infrastructure, qu'elle s'appelle distribution de l'eau, qu'elle s'appelle rail ou qu'elle s'appelle télécom, elle peut et elle doit se penser autrement. Et donc à partir de là, on peut aller chercher d'autres types d'acteurs. C'est très difficile, mais on a vu par exemple sur ACTA que c'était en partie possible. Je dis bien en partie parce qu'il y a eu un décalage entre la mobilisation du côté, on va dire, logiciel libre, liberté privée, liberté publique. Enfin, voilà, il y a eu ceux qui ont tiré la lutte anti-ACTA étaient plutôt du côté de la protection des libertés. Et il y a eu aussi les mouvements du côté des malades, médicaments génériques, etc., mais qui ont été quand même moins impliqués. Ils ont eu plus de mal à porter la chose. Mais de fait, il y a eu cette rencontre-là, qui était une rencontre un peu inédite. Donc il faut progressivement qu'on arrive à faire monter ce type de rencontre autour d'événements. On le fera qu'autour d'événements En concrets, fonction hein. On le d'agent, fera de pas l'agenda politique. ex nihilo en disant ah, ça, unissez-vous, peuple du monde, quoi. Ça, c'est vraiment pas. Ça ne peut être que sur des objectifs concrets où les gens se retrouvent et où ça fait sens par rapport à ce qui les meut au départ, à ce qui les mobilise au départ. Il y a quand même des exemples assez intéressants par le référendum italien, par exemple, c'est quand même un exemple intéressant sur l'eau, mais il y a aussi les suites du 15e en Espagne, même si c'est beaucoup plus partiel, etc. Mais il y a quand même des traces qui sont restées où on voit que les gens peuvent se Se mobiliser, décloisonner et se décloisonner. décloisonner Ouais. complètement. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'en effet, dans l'agenda politique, il va falloir jouer là-dessus. C'est intéressant. Et on voit bien que Occupy, il y a des faits des petits, quoi. Oui, Même si c'est absolument. plus le Occupy d'il y a 2 ans, il fait des petits qui vont s'emparer de sujets très précis et être beaucoup plus opérationnels d'une certaine manière. Par exemple, il y a eu à New York, un Occupy Sandy qui a fait tout un travail de repérage des effets destructeurs de Sandy. Ils ont fait ce travail de cartographie, d'open data en mode crowdsourcing militant, si je puis dire, qui permettait d'avoir une vision sur la réalité de cette catastrophe qui n'est pas forcément celle qui va être produite par les pouvoirs publics ou par les industries qui ont intérêt à les reconstruire, etc. Donc typiquement, là, c'est un petit exemple, hein, mais on voit bien et ça peut réunir des gens d'origine très différente, enfin d'origine, qui au départ sont motivés par des objectifs très très différents. Merci.